Bienvenue sur Geeko. Le lancement d'un gros événement attendu et l'arrivée d'une nouvelle forme d'un Pokémon pour patienter, c'est ce qui nous attend dans Pokémon Go cette semaine. On vous résume ça tout de suite. Si le nouvel événement majeur du jeu va débarquer le week-end prochain, le titre nous propose de nous y préparer avec cette assemblée de Pokéball. Disponible depuis vendredi dernier, les joueuses et les joueurs ont accès à des missions permettant de gagner de nombreuses Pokéballs en prévision des festivités de ce week-end. On a aussi plus de chances de trouver des Pokémon comme Trompignon et Golem, mais surtout des Voltorb et Electrode. C'est également l'occasion d'obtenir des Voltorb d'Issuie et d'accumuler les bonbons puisqu'on peut enfin les faire évoluer en Electrode. De nouveaux costumes pour notre avatar sont disponibles aussi. Des costumes basés sur le personnage de Bal Masqué de Pokémon Épée et Bouclier, bref, le charisme absolu. Cet événement est disponible jusqu'à vendredi. Mais l'événement principal, c'est bien ce circuit centré sur la région de Johto. C'est donc la deuxième génération et Pokémon Or et Argent qui sont représentés ici, avec l'apparition de nombreuses espèces de ces jeux. Mais les stars de cet événement, c'est bien entendu les Pokémon légendaires Lugia et Ho-Oh. L'événement continuera le scénario de cette saison et nous permettra de rencontrer les versions obscures Apex des deux légendaires. D'autres objets pour notre avatar seront disponibles, ainsi que des missions permettant de rencontrer un Léviator chromatique ainsi qu'un Celebi. L'événement sera accessible à partir de samedi si vous avez acheté votre ticket à 11,99€. Sachez également qu'un Go Tour dans la vraie vie aura lieu le samedi dans les villes affichées à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il s'agit d'un nouveau format actu sur Pokémon Go, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour qu'on vous propose encore plus de contenu, et dites-nous dans les commentaires si vous comptez participer à tous ces événements dans Pokémon Go.